là finalement on apprend. C'est un métier, c'est comme la peinture ou comme la musique. Jusqu'à sa mort, on se perfectionne. L'important, c'est que je ne m'occupe pas beaucoup de savoir si le restaurant que je fais, il va plaire aux clients. Le restaurant, d'abord, la cuisine que je fais, il doit plaire à moi. Sous l'influence, one should not cook under influences. One should cook to influence. To lead, not to follow. To lead and not to follow, yeah. Sur les foie gras, je préfère des sauternes jeunes. Les vieux sauternes, je les laisse plus sur des fromages, sur des bleus, sur des choses comme ça. Moi, j'aime bien accompagner les foie gras de chutney. Je trouve que c'est une belle alliance. Ce sont des fruits confits. Alors, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop sucré. Voilà. Et le chutney que là, on a proposé, c'est un chutney de fruits exotiques. Et le pain de campagne que vous voyez là et que je vais toaster légèrement, griller légèrement pour un peu le ferrer. C'est pareil, c'est un bon pain de campagne avec une belle acidité pour justement contrebalancer. Classé monument historique, historical monument, from more 30 years. For a long time, I used to go to bed early. Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would close so quickly that I had not even time to say, I am going to sleep. And half an hour later, the thought that it was time to go to sleep would awaken me. Goncourt y racontait un dîner qu'est Conti, où était l'hôtel des Verdurins. Il
y avait la Cotard, le docteur, et sa femme. Le sculpteur polonais Virovski. Swan, le collectionneur. Une grande dame russe, une princesse, dont Swan disait qu'elle aurait eu à bout portant l'archiduc Rodolphe. Des assiettes des Yungtsing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillé turgide de leur iris d'eau, des assiettes de Saxe plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'anémie de leurs roses tournées au violet, des assiettes de Sèvres engrillagées par le fin guilloschi de leur cannelure blanche. Et, ce qui est peut-être rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens, comme il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans leur plus grand dîner. Par rapport à ces trois idées que sont l'intuition, la simplicité et la rapidité, ce sont des choses fondamentales dans la création. L'intuition, c'est une évidence. Il faut réaliser le fait qu'il faut se faire confiance et que la vraie créativité, les vraies créations, les vraies émotions, elles ne peuvent sortir que de là où elles sont au départ, c'est-à-dire de soi et de ce que l'on ressent. Avec bien évidemment une grande précision, une grande maîtrise technique, et en fait de tout ce qu'on fait, y compris d'ailleurs du marché, tout rentre en ligne de compte. Mais la première des choses, c'est quand même bien ce que les gens vont manger, par exemple, s'ils mangent, ou ce qu'ils vont acheter. Donc voilà, la simplicité, c'est là aussi une évidence, mais tellement difficile d'arriver à se lâcher et à décomplexifier tout ce cadre dans lequel on a grandi, autour duquel ou dans lequel on a grandi, parce qu'on nous codifie la vie très vite, dans la vie, quand on est jeune. Il faut sortir de tout ça pour réussir à se défaire des a priori, des contraintes, et tout en respectant, bien évidemment, un cadre donné. Ça n'empêche pas, hein, on peut être dans le cadre, mais écarter les bords du cadre. Et ça, c'est de la créativité. Plutôt que de les défaire et de passer à autre chose, les barrières, il faut les ouvrir doucement et les refermer.